Le mythomane est toxique à temps plein. Hein? Quoi? Répétez, s'il vous plaît. Je dis, le mythomane est toxique à temps plein. Hein? Vous êtes avec un manipulateur mythomane. Oui, tu dis quoi? Il n'y a aucune option. Tu vas quoi? Ne restez pas, guys. Partez. Elle m'a choisi pour cible. On est influenceur, c'est lancer les balles perdues sur Facebook. Thank you. Regardez qu'on se concerne là, il va se moucher. Ça a lancé. Un mythomane est un poisseux. Quand on dit mon nom, oui. Vous avez envie de mettre juste à côté mythomane. Hey, laisse bien. Je suis pas venu en France pour suivre des mythos. J'ai toujours été une femme honnête. Y'a quoi? Vous savez pourquoi j'ai dit? Pourquoi? Parce que c'est Facebook là. Ouais. Si tu n'as pas les dans les pieds solides, ne viens pas t'installer. Vende, réveillez-vous, oh, réveillez-vous. Ciao. Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Sautez, sautez, sautez. Dites-moi ce qui se passe. C'est comment? Est-ce que quelqu'un peut venir m'expliquer ce qui se passe? Le Congo, ça, maman. Pardon? Le Papatoya. Le goût de ça, le goût de ça. Le réaliste, le réaliste, le réaliste, le réaliste, la bon, tu es là. Remarquez que les personnes qui quittent le manipulateur mythomane et pervers narcissique, les gens qui s'éloignent du mythomane sont la meilleure version d'eux. Non, vrai, vrai. Après, bien sûr, le sevrage, parce qu'il y a une période de sevrage. Parce que vous aussi qui êtes à côté du mythomane, vous êtes complètement une victime. Voilà, c'est ça. Lorsque vous évoluez à côté d'un mythomane, vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Hey! Alors, lorsqu'on est aliéné, mental, mythomane, pervers narcissique, c'est-à-dire que la personne vous puise tellement, la personne vous épuise tellement, la personne vous bouffe, c'est une ou un bouffeur d'énergie. Je n'ai pas compris, hein. Le pervers narcissique mythomane ne vous laisse aucun espace. Tiens. Il occupe chaque instant de votre temps, chaque instant de votre vie. Il veut tout le temps être là. Il vous bouffe le cerveau. Il vous bouffe l'énergie. Ah ouais, c'est gâté, c'est gâté, gâté. Au final, vous êtes dépourvu de tout. Yeah. Il vous accule au quotidien. Avec ces histoires rocambolesques, ces mensonges à n'en point finir. Mais après, trop, c'est trop. Quitte-la. Vous devenez, d'une manière ou d'une autre, acteur de ces mensonges. Pardon? Comme quoi? Pas parce que vous le voulez, parce que vous êtes investi, parce que vous êtes impliqué. Et au moment où vous vous en rendez compte, il est des fois un peu tard. Parce que là, on ne peut pas dire que c'est de ta faute, ma chérie. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Lorsque vous sortez de là, vous êtes comme, disons, lessivé. Hein? Épuisé. C'est pas c'est Nora. C'est pas moi. Vous allez pleurer. À quel moment vous avez même le temps de réfléchir? Ils vous isolent. Lorsqu'ils sentent que vous êtes en train de vous barrer, ils font tout son cinéma pour vous retenir. Ils créent. Vous finissez par avoir pitié de lui. Et vous restez. Or, c'est un piège. Tout le monde en parle. Toujours vous. Bande de bêtes. Bande de bêtes. Pas qu'elle va y avoir à faire le sang. Des fois, le pervers narcissique manipulateur, mythomane, vous impose ses mensonges. Hein? Hein, papa? Vous êtes obligé d'essayer de sauver l'immeuble.
Comme quoi? Pour l'instant, nous ne sommes que à la théorie. Chaque cours a une pratique. C'est pour la boutique à partir de Maï. Hey! Il a dosé sa propre et puis m'en fous des dégâts. Je reprends ça. Partagez le direct. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive avec qui là-bas? Partagez la vidéo, c'est... Partagez ça.